Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le hors-série. Donc il s'agit de la chasse au gros nounours, donc le grand ours balafré, dont je vais avoir besoin pour faire le dernier ennemi. Alors donc le hors-série se passe bien sûr avant, cette hors-série se passe bien sûr avant la fin de notre let's play. Mais en fait il nous consiste donc à débloquer cet ours qui sera très très utile pour aller défoncer les Isilas. Et donc ce sera un hors-série, après il y aura un hors-série pour Rouge Neige et pour le gros mammouth. Et donc, pour faire cet ours, il faut bien sûr avoir la compétence pour pouvoir l'apprivoiser. La compétence de maître des bêtes, c'est-à-dire apprivoiser des prédateurs rusés. Et aussi avoir débloqué les pièges. Alors, pour les pièges, c'est franchement facultatif. Il faut aussi bien sûr se téléporter à ce bûcher. Si vous le téléportez à cet avant-poste, vous pouvez pas monter, en fait. C'est plus difficile de monter par ici, sachant qu'il faut faire tout ça pour arriver au début de la quête. Voilà, voilà. Petite aparté. Et là on va monter à dos de notre... Ah, tu me laisses monter sur ton dos. Voilà. Et du coup, c'est parti pour la chevauchée fantastique. Alors, c'était que... Vous allez me dire, mais comment tu sais qu'il faut l'ours pour aller défoncer les Isilas? Non, je ne l'ai pas testé. Je suis juste les conseils d'un ami à moi, d'un abonné qui regarde mes vidéos et qui m'a donné fortement ce conseil par message privé. Il s'appelle Laszlo, donc j'espère que Laszlo se reconnaîtra dans cette vidéo. Et voilà, je te remercie pour ce conseil. Donc je vais tenter ton conseil, je vais aller débloquer l'ours balafré et on va voir s'il va vraiment être très utile sur les terres d'Isia. Moi je te fais confiance mon ami. Allez, c'est parti. On est pas très loin en tous les cas. Fasse attention que je reste bien sur le chemin. Non, je reste pas sur le chemin là. Là, je reste sur le chemin. Bon, t'es casse-couille toi. Tu sais pas nager, tu sais rien faire. Attention là, faut que je remonte. Tout le cas, je pense. Hop. Ouais, pourquoi j'ai avoir du mal à me remonter après. Hop. T'es vachement intelligent toi. Putain. Mais bouge. Bon. Je peux rien faire. Merci l'ami. Ah mais putain. Premier bug sur Far Cry que j'ai là. C'est ma bestiole qui veut pas me laisser monter. Ah non non, tu montes pas. Je sais qu'il y a un nounours, donc tu vas pas monter. Mode je te protège. En plus il met ses beaux coussinets sur ma tête en mode tranquille. J'aime bien te faire chier. Je sais pas pourquoi mais je sens que ça va faire comme pour le dent de sabre. On va commencer la chasse en pleine nuit. Ah j'adore. La chasse pendant la nuit, je trouve ça normal moi. Je fais même pas exprès quoi. Coucou les gars. Hop, j'ai récupéré ma petite flèche en bois. Ouais. Un petit nounours, mais on va pas l'énerver. C'est pas mon but. Dommage, ils ont pas fait le système de courant. Ça aurait été sympa de se faire emporter par ce petit courant. Ok. Allez hop, petite nage, petite brasse, tranquille, on se lave un peu, parce qu'on pue. Allez, hop, on va sortir d'ici. Bon. Hop. Bon, j'espère qu'il est pas trop redoutable ce nounours là. Mais je pense qu'il sera bien un poil plus puissant que mon Jean-Pierre, tu vois. Bon, mon petit dent de sable là, il est un peu faible face à de nombreux ennemis. Ok, donc là il y a quand même. Il commence à avoir des peintures rupestres. Parlant de cet ours
Ah, il a tenté d'attaquer des Wenja ou des Zila, je sais pas ce qu'il attaque là, mais. En tout cas, on peut se reposer, on peut allumer un feu de camp, ce qu'on va faire, ça nous fera. Un feu de camp, hop, chasse de maître des bêtes. Bon, ça on connaît, hein, vous connaissez tous. Nous, ce qu'on va quand même récupérer, c'est transférer tout, hop, 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 on prend tout comme d'hab. De toute façon, on va avoir besoin de tout là, toute l'aide possible. Bon, les pauses, c'est vraiment facultatif. Allez, hop, c'est parti. Donc. Ah oui, des crocodiles. Je vais pas tenter d'aller sur les crocodiles, moi. Vas-y, viens là, j'aurai besoin de toi. Bon, je peux éteindre le feu normalement. Et cassez-vous, j'allume le feu. Le fire. Alors, je sais pas qui saigne ou si c'est des empreintes normales, mais. En gros, il y a des Wenja ou des trucs comme ça qui sont passés par ici. C'est nos chasseurs, ils doivent passer par là, je pense. Ah oui, l'ours il est féroce là. Oh putain, on voit déjà les pattes de l'ours. On va éteindre le feu, on sait jamais, on prend une marque. Ah, le nounours il est pas content. Hein. Ah, il a défoncé les pièges là. Bon, ok. On n'a pas vu cette flèche ratée, hein? Totalement ratée. Ah, mais les. Vers le nord. Donc, vers le nord, c'est par là. Allez, saute. Ok. C'est par là, je pense. On parlait de vers le nord, là, il y a un petit camp. Je pense que ça va être par là. Rappelez-vous, la chasse avec le dent de sable, c'était long, long, mais c'était tellement jouissif. Feu de camp découvert. Donc, du coup, ils sont bien passés par là. Hop, on va faire un petit feu de camp. Ça va être par là. Allez, on y va, on avance. Mais je sens qu'il va être aussi difficile que le dent de sable. Pour moi, le dent de sable, c'était le plus facile, je trouve. Mais je sens que le loup, il va être voilà, pas trop difficile. Enfin, quoique, il pourrait nous ramener sa meute, ça sera un peu chiant. Enquêter dans la zone. Bon, bah, je suppose que ça va être ça, enquêter. Ah, par là. Du coup, je récupère un peu de bois. On n'a pas trop d'érable du sud en ce moment. Et du coup, là, le jour se lève. Ou c'est moi? Ouais, ouais, le jour se lève. Ah, bah voilà. Je préfère avoir du soleil, on voit mieux. Mais bon. Ça fait moins chasseur nocturne, tu vois. Ah, je crois qu'on est arrivé au campement. Là, on va commencer à devoir prévoir les. Je commence à devoir prévoir les pièges et tout ça. Je commence à les prévoir, moi. Ok. Un Wenja mort. Il doit être là-haut. C'est là-haut, c'est obligé. Voilà, c'est obligé que ce soit là-haut. Allez, on monte. Allez, monte. Oh putain.
Ah, c'est pas des Wenja là, c'est des Easy là. On va essayer de l'avoir. Allez, viens par là. Je pense que on peut commencer à placer ses pièges aussi. Ah putain, faut pas qu'il bute notre. Il va buter Jean-Pierre à force. Ouais. Active le piège là. Poursuivez le grand ours qui s'enfuit. Ah ouais d'accord, direct faut le poursuivre. Fouille la grotte pour trouver le grand ours balafré. Ok ok. Ouh. Bon, on l'a pas mal blessé déjà. Moi je vais aller chercher mon Jean-Pierre rapidement. Allez Jean-Pierre, tu vas survivre Jean-Pierre. Putain, bon, Jean-Pierre pour une fois il a résisté très longtemps. On récupère un peu de rap du sud. Ouais, du coup c'est pas les Wenja qui le chassent, c'est il et Irila, les Irila, enfin les mecs du, les mecs bleus qui les pourchassent. Allons-y. Normalement là, ça doit être bon. Je crois que je vais quand même utiliser ça. J'ai l'impression que ça va faire plus de dégâts. Je sens qu'il est pas trop. Déjà Jean-Pierre, je vais le nourrir. Allez, occupe-toi de lui en attendant. Moi je vais activer l'autre piège. Ça va être marrant ça. Allez là, fais pas le papier là. Bon, je l'ai pas mal blessé là. Ok. Bon, allez, viens là. Viens là, viens là, viens là. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Pierre là? Tu fais le papy ou quoi? Ah, faut poursuivre le grand ours balafré. Je vais t'avoir. Fouille la grotte pour trouver la tanière du grand ours. Ok. Donc là, quand même, on peut récupérer pas mal de sagaies sans devoir les fabriquer. Allez, viens là, mon pato. Je vais te donner à manger. Allez, on va poursuivre cet ours. Moi, je veux sa peau. Moi, je veux pouvoir l'apprivoiser, tu vois. Allez, allez. On va la voir. Ah, oui, il a bouffé un élan, quoi. Un piège. Viens là.
Allez hop, je l'apprivoise. Oh, il est trop mignon. Oh, le gros nounours, oh, c'est trop mignon. Et bah voilà, Grand Tours Barnafrey débloqué. Et du coup, on peut le caresser, c'est cool ça. Ah, il est tellement mignon. Ah, vous voyez ce qu'on a là? Ça, c'est un nounours. Ça, c'est un nounours. On peut pas monter dessus. Ça, c'est clair et net. Il y a que ce petit nounours, et sur les gros, on peut monter dessus. Donc ça, c'est cool. Mais du coup, c'était le hors-série sur la chasse aux gros nounours. On se retrouve pour un autre série et pour d'autres let's play.